Eh bien voilà, nous ajoutons carrément directement notre partie de code là. Hein, nous sommes là. Ok, vous voyez, on ajoute les formes avec action ajouter catégorie. Bon, je parle de 4 là. Ajouter 4. Et puis, vous remplissez la catégorie, les noms. Et ici, c'est qui est qui? Bon, en fait, nous on peut prendre à la place du nom utilisateur. C'est mieux qu'on récupère. Bon, on récupère son nom. On récupère rien que le nom de l'utilisateur qui est déclaré en haut là. Et puis, ici, on prend le titre de la catégorie. Voilà. Le titre de la catégorie, c'est tout. On submit pour aller ajouter du côté de ajouter 4. Et cependant, avant de quitter ici, on va aussi ajouter la partie ici, celle qui affiche les listes. Voilà. Et voilà, nous ajoutons aussi cette partie-là où on affiche carrément notre liste en bas. Ici, ça, on a déjà expliqué avec l'autre partie-là. Vous voyez, l'ID pour aller dans Delete 4. OK, Edit 4. Voilà, c'est tout ce qu'on devait faire ici. On affiche tout ça. D'ici là, on ira vérifier tout ça. Et puis, on récupère notre image. Voilà, on récupère l'image qui est là. Edit l'image, delete qui est là. Avec les mêmes messages. Mais en utilisant les mêmes méthodes que ce qu'on a utilisé pour ajouter utilisateur. Voilà, c'est tout ce qu'on devait ajouter ici. Bon, en fait, c'est pas du tout tout. Et puis, nous devons monter en haut ici pour parler de la table catégorie. Voilà. Voilà, ici en haut, c'est juste à ce niveau-là qu'on va déclarer Auth by ID, disant que là, c'est pour qu'on affiche d'une manière là, des plus grands, du dernier au premier. Si on prend cette histoire, on revient avec ça au niveau d'utilisateur. Par exemple, là, vous allez voir ce que ça va faire carrément. Voilà, donc le dernier utilisateur sera le premier. C'est ici dans la table utilisateur, quand on actualise, vous allez voir que c'est 11 qui monte en haut. Voilà, c'est ce qu'on a fait sur la table catégorie. Quand on clique sur catégorie, il n'y a presque rien parce qu'on n'a pas encore ajouté. Même si on mettait quelque chose ici, la table ajoutée ne nous dira rien. Voilà. Voilà, on vient de terminer carrément à ce niveau-ci. On vient de terminer. Là, on parle au niveau des ajouter catégorie. Ajoute 4 et puis on affecte celui-là. Voilà, on fait la même chose. On ajoute le titre. On essaie si ce titre existe déjà. S'il existe déjà, on va lui dire carrément que cette catégorie existe. Et puis, dans le cas contraire, voilà, on va l'ajouter comme on a fait avec les autres catégories. À part ça, nous allons passer à... Voilà, pour... Delete catégorie, on peut pas traîner aussi, c'est la même chose. Voilà, c'est comme ça. Désolé. Voilà, là c'est pour supprimer la catégorie. Donc le texte est clair. On récupère l'ID de la catégorie, on se connecte, on prépare notre delete, et puis on lui passe les paramètres, on exécute et on supprime la catégorie. Et puis là, on rentre à index 4. Voilà. Voilà, on complète aussi l'éditeur de la catégorie. L'éditeur de la catégorie, lui, il est aussi simple car il appelle la connexion. Et puis, après avoir appelé la connexion, il va mettre à jour les titres. Là où l'ID est passé en paramètres et ce titre-là. Voilà ce que la catégorie fait au niveau de l'éditeur. Mettez en pause copier. Maintenant, à ce qui concerne Edit 4, je vais prendre carrément tout ce qui est ici dans
catégorie, index catégorie, et puis edit cut est là, on met tout ça là-bas. Voilà, maintenant edit cut, lui il n'aura pas besoin d'afficher ce qui est là. Au moins il aura besoin d'autres choses, il aura besoin de la session, il n'aura pas besoin d'afficher la liste qui est là. Voilà cette liste là, jusqu'à ce niveau là il n'aura pas besoin de ça. Bon, jusque là 1 2 voilà, il n'aura pas besoin de tout ça. Il aura besoin seulement de cette partie là. Et voilà, et c'est à quel niveau? C'est ici où nous allons passer toutes ces histoires là. Voilà, donc ici on va essayer d'appeler les catégories là en haut pour les afficher ici, ID, tout ça. Voilà, je monte ici en haut pour appeler. On monte ici en haut juste pour ajouter la requête qui peut récupérer les données. Ici, on récupère l'ID qui nous a été passé ici dans index 4. Après, c'est cet ID qu'on va passer en paramètre à ce niveau pour exécuter. Et puis, on récupère cette catégorie-là. Après avoir récupéré la catégorie, on l'affiche ici. Puis on la cache sur ID. Et puis, on modifie toutes les histoires ici. Voilà, ID là, c'est toujours caché. Je crois qu'on peut essayer de tester la catégorie pour voir comment ça fonctionne à notre niveau. On rentre, c'était, on est administrateur. Voilà, dans utilisateur, c'est comme ça. Catégorie, c'est comme ça. On essaie de voir si on peut mettre harmonisation. Ok, quand on fait enregistrer. Waouh! Il est là quand même. On va essayer de gérer ça. Ce sont les images pour éditer. Vous voyez, ça nous envoie sur Edit. Et puis l'autre là, il demande si on peut supprimer. On annule tout d'abord. Voilà, on prend une suite. Bon, on veut pas perdre de temps avec cette histoire d'image comme ça. Bug, on met ici éditer. Et puis ici, on met supprimer, et carrément on voit la réalisation des choses. Voilà, quand on clique sur éditer, on est là pour éditer la chose. On peut même revenir jusqu'à Roman quand on a, voilà, éditeur. Voilà, il y a un petit problème là, je suis nul vraiment. Et ici quand je poste au niveau des, j'appelle éditeur, c'est edit catégorie qui appelle edit cat, qui appelle edit cat. Désolé. Voilà, on rentre là. On modifie encore. On n'a pas actualisé. Voilà. Voilà, on a modifié. Si on peut ajouter autre chose, on ajoute celle-là en bas. Et voilà, il est là en dernier. On peut le supprimer et ça va. Donc, on fait toutes les opérations avec la catégorie déjà et tout va bien.